Yes, today we are going to talk about Orbis, my Lancel collection. It's now. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm bag passionate, French bag collector, fashion lover, and above all, longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je suis bag passionate et la vidéo en français après la vidéo en anglais. Hi everyone, so today is birthday. I'm going to show you in a very simple way my Lancel collection. But before to start, just a few words about Lancel. Lancel is, yes, quite a famous bag brand, French bag brand, and to be clear, it's the historical competitor of Longchamp, just to explain you in a few words. But just to inform you, it is in France as famous as Longchamp. I'm going to show you my bags. Just to precise you, I got them for many years because when I was able to buy bags, as you know, I bought Longchamp bags, but at that time, I most of the time bought Lancel bags. And I will explain you all this. Now the situation is different, but I will explain you why. And so without further ado, let me show you the very first bag. Okay, so my very, very first Lancel bag was this one. This is a backpack. Okay, it's maybe better. This is a backpack, as you can tell. And guys, this little cutie comes with me everywhere abroad. And you cannot tell, but this is not leather. No. There is no leather part in this bag. It's just a quilted canvas. But look how gorgeous it is. It's really well done. And you can think it's leather, but no. So you've got two handles, it's a backpack, and you have this little handle to take it by the hand. There is a fit at the bottom, and I really appreciate that. And I bought it, in fact, because it's super cute. It's really super cute. I saw it and I was like, oh, I love it. And look at the detail. So here on the ring, I don't know if you can see, there is written Lancel. And look at this. And even after all this year, it is super shiny. It's high quality. And even here, really, really great. So you have a button pressure to open it. You have a drawstring and you can open it like this. Inside, I hope you can see inside, you've got here a zip pocket and you've got kind of leather macaron written Lancel, and that's all, a big compartment. And of course, yes, I forgot, you've got this tiny but very practical front pocket, and you can fit a card holder and your keys. I love this bag. I really, really enjoy it a lot, and it was really a great companion for many years. I traveled and so it's highly resistant. And the only thing that this bag has now through the year, let me show you. Yes, it's here. You can see. But guys, you cannot imagine how many travels he has done. And yeah. Here it's gone, it's completely rubbed, but other than that, it's perfection. Even here, nothing changes, and amazing. I usually do not go for quilted canvas, but as I said, I fell in love with this bag, and I do not regret. It's my only bag in quilted canvas like this, and
I still use it. I'm still using it. And yes, it's only rubbed. No, nothing else. Look, the stitches are amazing. To be honest, I do not remember how much I pay for it. I do not even remember the name of the bag. I think it was just called a sac à dos in French, a backpack. And but this was the style is the historical style of Lancel. You can even check now on the Lancel website. You will find bags with this type of ring and this shape. Oh, I forgot. Yes, there's also a front pocket here. It's tiny, but it's perfect if you have little item, tickets or so on. Yes, I forgot. So this one, I got the matching wallet, and surprisingly, okay, I put it there. Surprisingly, the matching wallet, look at it. I got it with a bag. I bought them together, and okay, is like this one, you see, and you will see. Please do not scream. Okay, not here. So it was really practical. I can, you have a lot of space, a lot of card slots. Really, really it's well made, but look. It does not edge so well. Look at this. Here it's completely, destroyed. And the worst, really the worst. Do not scream. Look, it's completely gone. And you know what? It's kind of sticky. I do not use it for many, many times because I do not like the feeling when it went sticky. And I could not explain because look at the bag. I use the bag the same. And yes, so you've got this part. And I used to put coins and document here. So quote in Canva, but this one do not age very well. The second bag is this one. And it's a mix of, this is cotton and this is leather. And it's in the gray, dark gray and beige toned with silver hardware. So you've got two handles. And to open it, it's I still put things to keep it form. And so you've got a big compartment here. You have a zip pocket, and here you've got two flap pockets here. And seriously, I use it a bunch, this bag too. It's great. It's really practical. On the shoulder, it's a pleasure. No hurts, nothing, really great. Even with a big jacket or in the summer. And I really enjoy it a lot. I was just careful because, as I tell you, it's cotton. I was just careful to, it's maybe the only bag I do not put on the floor, but look. And yes, I really love it. And this one was part of a collaboration of Lancel and one of our famous swimmer, Laure Manaudou. Maybe you heard this name. And she designed the bag for Lancel. And so I love this this swimmer. So I was happy to have a bag. Look at the detail. Really, really. It's a really nice everyday bag. So the third one I got, yes, you know it because I show it to you. And this is the one I'm using the most still because those two ones I use it really, really not often in fact. And this is my La Charmeuse bag. It's a bowling bag and gold hardware, and yes, even through the years I'm still loving it a lot. And it's really gorgeous and practical. I wear it most of the time when it's raining because
This green leather, it's insane. You can wear it under rain, it's okay. The inside is gorgeous. It's kind of a toile de Jouy vibe, and you've got a tiny, this time it's tiny zip pocket, but you can fit things. And as you can see, there's still tissue, a flap pocket here, but the detail you've got here, steel leather, and I just love it. I really love it. It also comes with a strap, all in leather. And what I love, you can adjust it. And I love this system to adjust. It's really nice because you have no part of metal which can hurt you. So it's really well made and really smart. But I have to say, I always, yes, most of the time, I'm carrying it with the handles. I love it, guys. There is no bottom at the tip, but no worry because the leather is so thick. It's not a problem. And yes, I got it. Yes, all the bags I'm showing you, they are, yes, more than 10 years. No, even more. More than, yes, because I got, oh, yes. We are nearly 15 years for some of them. Yes, nearly 15 years for some of them. And look at the condition. No, seriously, Lancel, it's a competitor of Longchamp, but you can go for them because the quality is there. Really, the quality is there. So this is La Charmeuse. Okay, something's different. A clutch. I've got a clutch, but I'm still using from time to time for some wedding. Look at this cutie. Look at it. It's really, oh my God. This is the symbol of Lancel, 2L, you see? And look how gorgeous it is. I wish you can see clearly the color because it's a brown, orangey color, but it is sparkling. Look, there's a shimmering. I don't know if you can see it clearly, but there's a shimmering. And this is yellow. This is not white. This is a kind of pale yellow, but really gorgeous. So you've got the handle and you've got two hooks, so you can clearly, let me show it to you. You can transform it so on for as a shoulder bag or at the clutch like this, you see, and you only wear it like this. You've got this dangling decoration with still the Lancel symbol, and as you can see, even through the time, the Lancel hardware, nothing, no chip, no nothing really. So to open it, you put this up, and this one all in leather, and the inside, look, it's a plain pocket with a tissue and still the macaron of Lancel. It's gorgeous. I really like it a lot. Oh my God, my bad, I forgot. Now there is a zip pocket, but to be honest, I forgot it because I do not use it. I clearly do not use it. I just put my card holder and my phone, and it's super elegant, and I really love it. I really love it. And okay, I put these things back because, and so look on the shoulder. Yeah, it's really chic and elegant. Really, l'esprit Lancel. Lancel spirit. So I've got this one. I do not remember the name. I'm sorry, guys. I got them for many, yeah, many years, and I do not remember the price, and okay, I can just tell you an estimation. I think this one retails for around 200 euros, but it was more than 10 years before, so at that time 200 euros, it was an amount. And yes, my La Charmeuse bag, it was around, yes, 300 in this price range. This one,
This one was a bit cheaper because it's not all in leather, but I think I paid 200 euro in this range. My backpack, so it's not in leather, but with all the featuring, I think I paid it under 200 euro. So now the very last one. The very last one, but guys, it's a gem. It's really a gem. I do not use it often, really. It's most in my wardrobe. And are you ready, guys? Look at this one. It's really gorgeous. I do not remember the name. I will just describe it. It's all in leather. And guys, I wish you can feel it. The leather is incredible, but Lancel has incredible leather. The handles are amazing. Look at the hardware. And I don't know if you can see, but oh, it will be hard. Look here, you have the Lancel symbol and symbol here too. They are really on the details. They are really great for that. Look at this one. I still have stars in my eyes, and I still remember when I bought it. We'll talk about it later. The inside, so it's a wide opening, one main compartment. You've got this super great zip pocket, still the macaron here, and you have on the other side two, a tiny flap pocket and this one, and oh my god, it's like silk. It's really like silk, and I love it. I really love it. To tell you everything, I use this bag and my, I say that because it's near me, my roseau, my very first roseau, and this one were my two bags I use a lot when I was working and when I meet my clients, and so because yes, you have to be chic when you meet clients, and oh my god, there's fit on the bottom. Yes, it was really my companion for many, many years. Now I use it less because even if it's gorgeous, for the moment, this kind of shape is not back, but I know that one day it will be perfect. So I keep it because I really love it. This one was clearly expensive. I do not remember, as I told you, the exact price, but we were nearly 700 euro. And a few months before, I saw the same one in brown leather, and the person was selling it 500 euro. So you see, even 10 years before, the price is still high. I will not sell mine because, as I told you, I've got a lot of memories, and you know how much I love memories in bags. So I got this one, and I've got the, not the matching, but I've got this coin purse. Look how gorgeous it is. The leather, still, look at the details. And you've got this ring to attach your keys or to attach it to the bag. And you open it like this. And so, and still the Lancel macaron. Well, that's all. A bag is missing. A bag is missing because, to be fully honest with you, I've got another Lancel bag, which was called the Twinnie. I will try to place a pic here if I can find one on the internet. And this bag was also in this price range. It was really, really expensive because the work on the leather was incredible. It was braided and it was really gorgeous. And I sold it. I know I am not used to sell my bag, but this one I had to, because in fact, it was huge. It was the vibe to have a huge bag, but the thing is that it was huge, and the amount of leather
And the amount of details, of decoration, it was really heavy when I put all my stuff, because for me it was a working bag. I do not put my, not so many notebooks, but you know, it was really, really heavy. So it's a very rare bag that I've sold, and that's why it's no more in my collection. And this led me to the point why today I do not go on buying Lancel bags. It's not about quality, because as you can see, they last long. They really last long. They are a great investment when you want to buy something and it lasts long in time. I do not buy no more Lancel bags because after the next collection were no more my cup of tea, to be clear with you. And the second point, which is really important, Lancel bags tend to be to have more weight empty than the Longchamp one. And for me, the weight of a bag is really important. Even if I do not carry not so much thing than before. In fact, as most of the time my bags are top handle bag, they have to be light. So that's the reason why, the two reason why I do not buy more Lancel bag, the weight of a bag and the fact that the style was no more my cup of tea. A third thing, but yes, it's always a discussion. So, but there's a third point, sorry, the price. Lancel bags tends to be, if we compare all the collection in general, Lancel and Longchamp, Lancel bags are more expensive than Longchamp. If we just have a general thing, a general view, sorry. And hey guys, I'm a collector, and if the price is not there, if the style is not there, if the weight is not there, of course, I buy another brand. So that's why today I cannot show you more Lancel bags, because I clearly stopped buying Lancel. I still look at their collection, and I have to say there's a bunch of bags, really cute, really nice. I know the quality is there. My sister recently bought a Lancel bag, and guys, it's a gem. But at the moment, I do not feel the envy to buy one. But who knows? Who knows the future? Maybe one day I will tell you, okay, I stop Longchamp, I only buy Lancel. But for the moment, there's other reason. I hope you enjoy this tiny video. No, it's not tiny, it's a long one. Thanks for watching. And if you have any question concerning one bags or everything else, write in the comment section. I will be more than happy to answer you. Stay tuned, because I don't know how I will load them and so on. But next video, there will be something about my Longchamp collection, or either, I don't know which one I will put first. I will also talk to you about French brand, French bag brand. And so we have the next video. Take care, have a great day, and see you soon. Bye guys. And do not forget to like this video, subscribe to my channel. That's all. Bye. Et maintenant la version française. Francophone. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur ma collection de sacs Lancel. Et oui, parce que avant d'être complètement fan des Longchamp, j'achetais du Longchamp quand j'ai pu me le permettre, mais aussi du Lancel. Et même à cette époque, ben, j'étais plutôt équipe Lancel plutôt que Longchamp. Oui, c'est dingue, hein, mais c'était comme ça à l'époque. Quand je vous dis à l'époque, c'était, oui, j'ai calculé tout à l'heure, on est à presque 15 ans en arrière, hein, les sacs que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pour cette raison aussi que je vous demanderai de m'excuser. Certains noms m'échappent aussi parce que, ben voilà, avec le temps, je ne peux pas me rappeler de tout. Mais voilà, je vais vous les présenter et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Lancel, ben je vais vous la faire courte.
Lancel, c'est en France une marque très connue de maroquinerie qui est présente depuis très longtemps. Et vraiment, pour vous simplifier au maximum, Lancel, c'est depuis toujours le principal concurrent de Longchamp. Voilà, c'est vraiment les deux marques qui très connues, qui sont à peu près sur le même créneau et ils sont vraiment compétiteurs tous les deux. Voilà, c'est juste en quelques mots pour vous présenter Lancel. Donc, je vais vous présenter mon tout premier sac Lancel et c'est ce joli petit sac à dos. Il est adorable. Franchement, si vous saviez le nombre de voyages qu'il a fait avec moi, il en a fait des kilomètres. Il en a vraiment fait des kilomètres. Et non, ça a été un compagnon formidable. Je dis ça a été parce que je m'en sers un peu moins maintenant, mais je l'aime toujours d'amour. Voilà, regardez, il n'a pas bougé. C'est ça, là, par contre, voilà, la qualité Lancel, elle est là. Tout ce qui est la métallerie, elle n'a pas bougé, rien du tout. Alors, ce sac n'est pas en cuir, hein, c'est du... comment on appelle ça en français? C'est de la toile enduite, voilà, c'est de la toile enduite. Alors, lui, il a une petite poche devant, hein, une petite poche devant. Hop, je vais vous l'ouvrir. Qui est très... Ah ben non, je l'ai fermé, pardon. Mes excuses. Voilà, donc petite poche très pratique pour mettre un porte-carte, des clés. On l'ouvre avec un bouton pression et là, un grand compartiment, juste une pose zippée là. Et franchement, terrible, terrible. Là, vous avez une petite poche zippée, très pratique aussi. Et voilà, il a des pieds de sac. Moi, quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Pourtant, voilà, c'est le seul sac en toile enduite que j'ai dans ma collection. J'ai des sacs en toile en nylon, hein, mais en toile enduite, c'est le seul. C'est vraiment le seul. Voilà, après toutes ces années, voilà, le seul truc qui est arrivé à ce sac, voilà, c'est ici, ça s'est tout râpé. Mais parce que comme je vous ai dit, à force de tirer sur les liens de serrage, voilà, au bout d'un moment. Mais voilà, qu'à cet endroit, mais pour un sac qui a près de 15 ans, franchement, la qualité, elle est là, quoi. La qualité, elle est là. Et je vais vous montrer un petit accessoire qui va avec le sac. Hein, c'était à peu près la même collection. C'est la même collection. Alors là, par contre, pour le coup, c'est toujours pareil. Hein, c'est de la toile enduite. Là, pour le coup, ça a très mal vieilli. C'est, alors, vous allez voir. Alors, c'est pas là. Là, vous avez une bouton pression et vous avez... Oups, pardon, je le tiens à l'envers. Donc, vous voyez un des trucs. Poche plaquée, là vous avez les emplacements pour les cartes. Mais ici, vous voyez, ça s'est complètement détruit. Et alors là, vous allez crier, vous allez vraiment crier. Voilà l'horreur. Voilà l'horreur. Ça s'est en fait photocopié. Enfin, pourtant, je l'ai bien conservé comme les autres. Hein. Vous savez, je suis assez soigneuse. Et là, c'est collant. Vous le sentez. Ça a vraiment... là, ça colle. Et du coup, quand je m'en suis aperçue que ça commençait à faire ça, j'avoue, j'ai arrêté de m'en servir parce que c'est vraiment une sensation que j'aime pas. Ça, c'est un truc, ça, j'ai du mal. Mais je l'ai gardé. Je ne l'ai pas vendu parce que, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je le garde. Le deuxième sac que je vais vous montrer vient de la collection, de la collaboration, par contre, qui a été faite entre Lancel et Laure Manaudou. Laure Manaudou, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande championne de natation française. Moi, j'en suis fan. Hein. Pour moi, c'est la meilleure. Et en fait, elle a fait une collection capsule avec Lancel. Et moi, j'ai acheté un des sacs. Pas pour Laure Manaudou, hein, parce que j'aimais le sac. Mais en même temps, ça tombait bien. Voilà, c'est ce petit trésor. Alors lui, pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma collection. C'est-à-dire avec deux types de matériaux. Donc là, on est sur de la toile en coton. Et ça, par contre, c'est du cuir. Ça, voilà, c'est du cuir. Et toute la métallerie est couleur argentée. Alors, il est déjà ouvert parce que je l'ai montré. Voilà, vous avez un grand compartiment. Vous avez une poche zippée là et là, deux petites poches plaquées. Et alors, ce sac, pareil. Grosse utilisation. Et par contre, c'est le seul sac que je n'ai jamais posé par terre à cause de la toile. Que d'habitude, moi, je pose mes sacs par terre. Ben, lui, non. Lui, non, parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Mais voilà, j'adore le style. Il est très pratique hein, en été comme en hiver parce que la taille des hanches permet, même si vous avez une grosse veste, ça passe très très bien. Et non, lui, franchement, je l'adore. C'est un des rares sacs en couleur gris que j'ai dans ma collection.
mais enfin c'est gris foncé et un peu beige. Mais franchement, je l'adore. Celui-là, vous l'avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Hein. Ou sinon, si vous ne l'avez pas vu, bah, allez voir ma vidéo. Voilà, c'est la charmeuse, le sac la charmeuse. Donc, c'est un sac de type bowling avec métallerie dorée, des petits, voilà, des petits machins comme ça. Très mignon. Enfin, le cuir. Moi, j'aime bien le prendre. Voilà, c'est de ma collection Lancel. C'est celui que j'utilise encore bien. Parce que ben voilà, c'est du cuir grainé et il est top, hein, vraiment. Et je le prends quand il pleut parce que voilà, ben, l'eau coule là-dessus. Alors évidemment, je reste pas sous un orage, mais voilà, vraiment, c'est le sac que je me dis, tiens, il pleut, je le prends, il n'y a aucun souci. L'intérieur, pardon, je vais vous enlever la bandoulière. L'intérieur, il est plus qu'extraordinaire. Regardez-moi ça, un peu esprit toile de Jouy. Il y a une petite poche plaquée là, une petite poche zippée là, mais regardez, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Et ce sac, comme vous avez pu voir, il y a des petits anneaux là. Il vient avec une bandoulière en cuir. Et j'aime bien le système de réglage. Franchement, ça c'est très bien parce que voilà, tout le long, c'est du cuir. Et il n'y a rien du tout qui vous blesse l'épaule ou quelque chose qui bouge. Donc c'est vraiment très ingénieux. Et c'est superbe. Voilà, donc ça, c'est vraiment la charmeuse. Je regrette pas de l'avoir acheté parce que je vous dis, depuis toutes ces années, regardez dans quel état il est. Il est super correct. Les poignées, moi, je les adore. Moi, ces petites poignées comme ça, moi, elles me rendent folle. Non, non, vraiment, super investissement, lui. Un autre registre, là, on va passer sur une pochette. Regardez-moi ça. Hop, ça, c'est... Regardez-moi ça. C'est pas trop mignon. Non, franchement, c'est le style du détail, les coutures. Franchement. Et puis, j'espère que vous pouvez voir à l'écran. Donc, c'est un marron un peu orangé. Ça, c'est du jaune. Hein, c'est un jaune pâle. Mais j'espère que vous pouvez voir. Il est irisé. Il est irisé. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie à la lumière du jour. Il est plus que magnifique. Et le style, il n'y a rien à dire, quoi. Donc lui, je le prends de temps en temps. Voilà, si j'ai un événement du style mariage, baptême, voilà, une poche ici. Et alors, quelque chose dont je me sers jamais, il y a une poche zippée là, vous voyez, mais je m'en sers jamais. Donc en fait, voilà, mais vraiment, il est parfait. Voilà, vous mettez votre téléphone, votre porte-carte et vous pouvez faire votre événement sans aucun souci. Il est hyper pratique, vraiment. Et alors, l'idée, regardez, vous avez des petits crochets. Donc, en fait, voilà, vous pouvez vraiment la porter comme ça. Vous voyez, comme ça ou comme ça. Enfin, c'est vraiment... Là, on ne peut pas faire plus élégant. Non, non, c'est vraiment chouette. Là, pareil, super investissement. Terrible ce sac. Terrible, terrible. Et alors, le dernier que je vais vous montrer, c'est une tuerie. C'est une tuerie, je m'en sers plus beaucoup, je m'en suis servi beaucoup de lui et de mon roseau. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mon tout premier roseau Longchamp, voilà, ces deux sacs, ils ont été mes compagnons de travail pour aller voir mes clients pendant des années. Et voilà, c'est lui. Il est le cuir, mais pareil, mon Dieu, si vous pouviez le toucher. Bouclerie en argent, bouclerie dorée, mais incroyable. Le détail, vous avez le symbole de Lancel, je sais pas si on... là, jusque là, le symbole de Lancel, ici, sur les petits, petits points de fixation. Enfin, il est incroyable. Il est franchement incroyable. Hop, je vais vous parler de ça après. L'ouverture, elle est hyper grande, hyper pratique. Une grande poche zippée, un tissu, mon Dieu, c'est de la soie. On dirait vraiment que c'est de la soie. C'est doux, c'est adorable. Et là, vous avez deux poches plaquées. Voilà, plaquées. Et comme toujours, hein, sur tous les autres sacs, les poches, les bordures, là, c'est fait en cuir, hein, le même cuir que le sac. Non, non, vraiment, Lancel, on s'attache aux détails, à la qualité. Les coutures sont parfaites, vous ne pourrez pas, il n'y aura jamais un accroc, rien, c'est vraiment, regardez-moi le tressage là, le tressage ici, il est excellent, ça n'a pas bougé, lui je m'en suis servi
très longtemps, je vous dis, mais quasiment tous les jours, hein, dans mon précédent travail, pendant très longtemps. Il y a des pieds de sac, mais regardez, lui, il a été posé par terre un peu partout, dans les aéroports, dans les... Enfin, incroyable, incroyable. Et j'ai ce petit porte-monnaie aussi. Alors, très pratique, hein, parce que vous pouvez attacher des clés, les mettre dedans ou attacher ça à un sac. Et regardez-moi les coutures, l'appareil, le logo, il est là. Là, pareil, sur les... vous avez ça. Je viens de penser à un truc. J'ai aussi des bracelets lancelles. J'ai oublié de les... Bon, ben, si vous voulez, je vous mettrai une vidéo concernant mes bracelets lancelles. J'ai zappé, j'ai complètement zappé. Et voilà, l'intérieur. Voilà, la petite macaron. Et vraiment... ah ben, il y a des pièces, moi. Et vraiment terrible. Et alors, pour tout vous dire, il y avait un autre sac dans ma collection. J'espère trouver une photo pour vous la mettre. Ce sac-là s'appelait le Elsa Twini. C'était un sac, mais magnifique. Vraiment, le design incroyable. La structure du sac, c'était un sac seau avec des anses portées main ou portées croisées, parce qu'il venait aussi avec une bandoulière. Et c'était un tressage en cuir, mais du travail d'orfèvre. Le problème, c'est que j'ai pas fait trop attention. Je l'ai acheté parce que je vous dis, gros coup de cœur. Je suis rentrée, je m'en suis un petit peu servie. Pareil, je voulais que ce soit un sac pour le travail. Et en fait, très très vite, je me suis aperçue, mais très très lourd. Mais vraiment, sac très lourd. Même déjà vide, en fait. Et du coup, j'ai dû m'en séparer parce que même si j'ai demandé à des membres de ma famille s'ils le voulaient, non, il était vraiment lourd. Et en fait, cela va m'amener à vous expliquer pourquoi aujourd'hui, j'ai pas continué depuis des années à acheter Lancelle, un peu comme je fais avec Longchamp. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais, moi, j'ai commencé avec Longchamp, très vite, je suis partie sur Lancelle. Et en fait, voilà, c'était Lancelle. Et puis, pouf, pour les raisons que je vais vous dire, j'ai continué sur Longchamp. Et en fait, voilà, Longchamp depuis des années. Alors, pourquoi j'ai arrêté chez Lancelle? Alors, c'est pas un problème de qualité parce que comme vous pouvez le voir, mes sacs, ils sont comme ça, hein, vraiment incroyables. Donc, la qualité Lancelle, elle est là. Cherchez pas. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Très grande qualité. Mais par contre, il y a trois raisons. Il y a trois raisons. La première, c'est que très rapidement, les collections qui sont venues après, ben, c'était pas mon goût. Vraiment, je me suis plus retrouvée au bout d'un moment au niveau du style chez Lancelle. Deuxièmement, ben, le poids, parce que je continuais quand même à aller voir en boutique et tout. Et le poids, non, vraiment. Là je faisais attention à ça et c'est vrai que les sacs Lancelle sont plus lourds que les sacs Longchamp. Ça, c'est un fait. Ça m'a même été confirmé, hein, donc non, ils sont vraiment plus lourds. Et autre chose, le troisième point, mais ça, voilà, ça peut être une très grosse discussion. Si on compare de manière générale Longchamp, ceux qui produisent, et Lancelle, ceux qui produisent, on va vite s'apercevoir que Lancelle est plus cher que Longchamp. C'est, voilà, ils sont aussi beaucoup plus chers. Donc, quand le style n'y est pas, le poids n'y est pas, parce que ben, maintenant, même si je porte pas énormément dans mes sacs, voilà, comme je prends souvent des sacs portés main ou même bandoulière, finalement, le poids, ça me gêne. Il se fait que, ben, voilà, Lancelle ne m'a plus trop intéressée. Et le prix, voilà, parce que quand vous collectionnez les sacs parce que vous aimez ça, eh ben, c'est un budget. Et donc, si pour quelque chose de moins bien, vous payez plus cher, ben, forcément, enfin, quand je dis moins bien, attention, hein, on s'entend bien pour les raisons que j'ai évoquées, pas pour la qualité. Parce que la qualité est liée chez Lancelle, hein, ça, je vous le certifie, allez-y, les yeux fermés pour la qualité. Mais par contre, ils sont un peu plus lourds. Donc, voilà, c'est pour ça que Lancelle, donc de temps en temps, ben, je suis leur collection, je continue de regarder un peu ce qu'ils font chaque année. C'est bien, mais pour l'instant, j'ai pas retrouvé ben, l'engouement que j'ai eu pour ces sacs-là. Voilà, je l'ai pas retrouvé. Peut-être qu'un jour, je vais vous faire une vidéo, je vais vous dire arrêtez tout, j'arrête Longchamp, je repars chez Lancelle parce que waouh, les collections, c'est vraiment ce que j'attendais depuis des années. Donc, je ferme pas la porte, mais c'est vrai que ben, je me suis plus trop retrouvée chez eux. Je me retrouve toujours pas, mais voilà, on connaît pas l'avenir, on sait pas. Donc, peut-être qu'un jour, je vais retourner à la porte de Lancelle pour leur acheter des trucs. Ma sœur, l'an dernier, a acheté un sac Lancelle que je trouve vraiment très, très mignon.
Moi, il reste encore quand même un petit peu lourd. Moi, voilà, j'ai eu le brioche de Longchamp qui est un style un peu similaire. Mais voilà. Si vous avez de quelconques questions concernant ces sacs ou même autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'à la fin, un grand bravo! Et n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, ben, vous voyez, je suis plutôt sympa, donc abonnez-vous. Et restez connectés parce que voilà, alors je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire apparaître, mais prochainement vont arriver les vidéos concernant les marques françaises de maroquinerie, enfin les marques que l'on peut trouver dans les rues en France. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et la deuxième vidéo, ou alors la première, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, ça, concernera ma collection Longchamp concernant une ligne en particulier. Voilà, je vous embrasse, encore bravo d'avoir suivi jusqu'à la fin, et puis je vous dis à très bientôt. Bye les amis, à bientôt!